Bienvenue pour cet épisode numéro 5 maintenant sur Alien Isolation, peut-être la conclusion de notre playthrough dessus, qui est suivi après par les DLC, mais ça c'est autre chose. Aujourd'hui nous sommes actuellement presque, même je dirais pas très loin de la fin du jeu, ça sent en tout cas à planer. Et on va apprécier ça à fond la caisse. Lors de l'ancien épisode, nous avions défoncé encore des machines, des petits robots, tranquillement, jusqu'au moment que l'alien est revenu. Du moins, l'alien est revenu, non. Mais nous sommes tombés sur le nid de l'alien, donc une pondeuse qui doit être dans le vaisseau, à mon avis, dans le Sébastopol. Je pense, hein, parce que dès que tu vois des œufs, tu sais qu'il y a une pondeuse pas très loin. De plus, ils ont pondu tellement qu'il y a eu beaucoup plus d'aliens qu'avant, donc on battait jusqu'à présent un seul, maintenant il y en a des milliards. Donc on est arrivé à faire sauter le nid, et là maintenant, ah oui, on a perdu Taylor, elle est morte, comme l'autre, le mec qui l'avait agressé, je sais plus comment il s'appelle déjà. Bon, c'est pas important, il est mort en tout cas, dans l'explosion. On a perdu Samuel, et là on essaie de reprendre contact avec un vaisseau qui nous a, on va dire, qui nous avait repéré, je pense de celui qu'on est arrivé. Donc il avait des explosions et on est arrivé à rentrer en contact avec. Donc on a pu remettre les paraboles, tout ça, pour rentrer en contact avec. Et maintenant, il va falloir qu'on foute le camp, tout simplement. Et ça va être bien la merde, je pense pas que ça va être aussi simple pour foutre le camp de ce vaisseau. Mais bon, on verra. Donc on est parti encore pour 4 heures de live, je pense qu'on l'aura sûrement fini avant. Donc si on finit le jeu avant, soit je conclue Alien Isolation et on fera DLC sur un prochain live, ou on change de jeu vite fait pour se détendre et terminer jusqu'à 19h et repartir pour une prochaine session de 4h pour un DLC. Je verrai. Tout dépendra le temps qu'on aura terminé le jeu et le temps qui me restera. Voilà. Allez, on continue. Alors, Alien Isolation. Et j'espère que ça va bien se passer. Et que ces foutus aliens vont pas me mettre trop la pression, parce que à chaque fois qu'ils sont là, ces petits cocos, je suis pas très bien, quoi. Par contre, quand il y a des robots, là, je m'éclate, hein, parce que le nombre de saloperies que j'ai comme gadget, je leur fais la misère. Après, bon, c'est vrai qu'on a toujours la solution maintenant contre l'alien, le lance-flamme. On le bombarde la gueule du lance-flamme dans la bouche, comme ça, il l'adore. Et comme ça, il nous laisse tranquille. On fait gaffe à notre vie, parce que je crois qu'à chaque fois qu'on fait le lance-flamme, il arrive à nous toucher ce bâtard, parce que chaque fois ma vie elle se descend, je ne sais pas comment. Je pense que c'est le fait à chaque fois de se faire choper par une machine, elle me casse la gueule et la vie elle part très très vite. Et les kits de soins sont chers, voilà. Ok. Alors, trouver un moyen d'amarrer le Torrens. Ouais, le Torrens, donc le vaisseau avec lequel on était arrivé sur Sébastopol. Alors, où faut-il aller? Ouais, là-bas, c'est ça. Ok. Donc, il faut revenir en arrière. Allez, c'est parti. Oh bordel. Ricardo, me dis pas que les aliens sont arrivés à t'atteindre, sinon je pars sans toi. Et là, c'est le Z. Allez sauver Ricardo. Tu arrives à sauver Ricardo, mais Ricardo va finir par mourir. Ricardo meurt, donc on aura fait tout ça pour rien. Comme d'hab, la plupart du temps, on sauve des gens qui meurent après. Taylor est morte, après qu'on est allé dans les trucs des médecins pour aller la soigner. De notre côté, Samuel, on l'a quasiment pas vu dans le jeu. On l'a juste vu à la fin quand il a fait son sacrifice héroïque. Donc il est mort. Et maintenant Ricardo. Bon, merde quoi. On sauve toujours les gens qui finissent par mourir. Oh fuck. Alerte. Veuillez vous rendre à votre point d'évacuation et attendre des instructions. Ok. Je crois qu'il réclame son dû. On va lui donner. Alors nous, il faut qu'on va où là? Putain, il faut qu'on va là. Il faut qu'on reparte dans sa salle.
On a une aline en plein milieu en plus. Allez, va vers le... Voilà, tu as tout compris. Au bout de 8 heures de jeu et même plus, je dirais, enfin on comprend. Il comprend. Et il m'est lancé son magistral. Allez, on se dépêche. Merde. Va là-bas, Coco. Le fumigène, oh, il a quand même un peu de mal. Hein. Là, il y a des gens à bouffer là. Oh merde, il me regarde. Je suis désolé, messieurs, mais vous êtes ma chère, madame et monsieur. Elle va les bouffer. Non. Non ! Cours pas dans ma direction ! Non mais là elle court et le lien il le rush pas dessus, moi je m'amuse à courir à peine. Ok. Voilà, tire, tire ! Tu as tout compris. Allez, adieu mesdames, messieurs. Votre sacrifice a été grand pour moi. Je ne vous oublierai pas. Allez, on y va. Petite sauvegarde de l'amour. Non. Oh. Oh, on a un problème. Ah. Oh. Ok. Oh. Là, on a failli passer, sans déconner. Juste avant une sauvegarde, tu sais, comme ça au moins quand tu recherches la sauvegarde, tu te fais tout le temps buter en fait. Et t'es niqué, tu restes bugué quoi. Salut killer. Bienvenue à toi. Oh my god. Commencement de live déjà épique. Bah le temps de descendre que déjà les aliens sont là. Ça va bien commencer ça. What? Oh! Je crois qu'il y a de la ligne en masse qui vient de descendre dans la salle. Où est-ce que je rêve? Il n'y a pas que ça qui est descendu, vous êtes bien d'accord avec moi là? Ça a fait un peu de bordel. Ricardo? Ricardo? Oh non! Ricardo! Non! Qu'est-ce que je vous ai dit? Ils meurent tous, ces cons! Bordel, il m'a fait peur là. Je savais qu'il était là, mais où? Ok. Bon, Ricardo is dead, pour changer. Allez, faut qu'on foute le camp là. Putain, mais il faut aller par où? C'est ça la vraie question maintenant. On est censé se barrer de où là? Trouver un chemin vers la tour d'habitation Solomon. Bah, je crois qu'il faut prendre un rail là. Je crois qu'on a des problèmes, la musique s'emballe un peu là. On fait nos courses en passant, n'oublie pas. Verrouillé. Bon, c'est un peu la baise. Et on a plus trop de lance-flammes, on arrive en bas de réserve. Bon, il va falloir aller là-bas. Se cacher là-dedans, je crois. Donc. Ça va. On va les cramer. Hein. Sauf 650.
Et bah ce petit PD. Nous il faut aller où là? Putain je sais vraiment pas où il faut aller. Disons que j'avance un peu au pif là. On va découvrir. On va peut-être mourir 50 fois pour y arriver. On perd pas de temps. La musique elle s'emballe tellement que j'arrive pas à remarquer les bruits de son. Où est la porte de sortie? Je crois que c'est là. Ouais, ça doit être là. Voilà. Tu comprends? Putain, j'utilisais trop de lance-flammes pour toi là. J'ai pas fait la sauvegarde, hein, parce que j'utilisais un peu trop de lance-flammes. Je préfère voir si j'y vais arriver du premier coup. Oh, ok, ça va bien se passer. Soit il me fait une feinte, hein, tu le crames, tu penses qu'il est pas si tombé vraiment, il te chope juste après, t'es mort. Ok, je pense qu'on est sur la bonne voie. Il faut aller là-bas. Attends, il faut aller où là maintenant? Il faut aller là-bas. Ok, il faudra descendre et refaire ça, ok. Ah, je m'en souviens d'ici. On repasse vraiment dans toutes les zones qu'on a pu faire. La laine ne peut pas mourir. Là, la laine ne peut pas mourir. Non, allez, non. Je crois qu'il m'a vu. PD. Oh, il en demande encore. J'ai redit PD. Meurs, chien. Et laisse-moi vivre un peu. Fous-moi la paix, connard. Alors, il faut aller où là? Toujours là, ok. Oh, on va être à court de lance-flamme. Oh, tirez pas. Oh, il y a des gens qui tirent, quoi. Ce qui devait arriver, arriva. Hein. On va se faire bouffer. Il finit toujours par se faire bouffer dès que t'entends des tirs. Ok, bon, il va falloir attendre tous les cas passer par là-bas. Il arrive. C'est un petit peu la baise, non? Moyen peut-être de passer par là, allez savoir. Ce serait bien. Ok. Il est dans le coin, ce petit fumier. Ouvrir la porte. Allez, tire-toi, connard. Allez, il s'est arrêté. Allez, doucement, 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 fais pas trop de bruit. Oh! 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 Oh putain! Non! J'avais dit pas de bruit! Oh mon dieu, je l'ai entendu courir, je me suis dit ça y est, elle a pas été assez discrète, la salope. Oh, quel con quoi, mais ça aussi il entend quoi. Ah, c'est abusé. Ah, bon, j'ai pas fait la sauvegarde aussi. Est-ce que ça a été une erreur de ma part? On va devoir se retaper le chemin.
Ah, on va s'amuser pour cette fin du jeu, ils vont nous mettre la pâtée dans la gueule là. C'est kiffant. Ils vont me donner du mal à avancer là. Et les lance-flammes, hein, beaucoup trop utilisées. Hein. Il m'en restait trop peu là. Et les balles ne le font plus repousser. Donc c'était que le lance-flammes. Faut que je l'économise à bord. Sachant qu'il y en a plein d'aliens. Heureusement qu'ils ne m'ont pas mis plein d'aliens dans le tas, parce que là encore, ça va, ils m'en mettent toujours un dans les zones, quoi. Imaginez-vous qu'à un moment donné, ils m'en mettent 1, 2, 3, 4. Ça va. Moyen. Oh bordel. On va voir. Ok. Ça va être chaud. Ah, finalement, il m'a remis moitié de life PV. J'en avais beaucoup moins de ça avant de me soigner. Ah ouais, mais c'est au moment où j'ai fait la sauvegarde, il m'avait rushé à la sauvegarde après la sauvegarde. Donc ça a pas compté. Ah, en fait, limite, ça a été limite du shit, en fait, cette action-là. Ok, c'est bien ça. Grâce à ça, j'ai pas eu. En fait, l'attaque de l'alien que j'avais eu tout à l'heure, c'est comme si elle n'a jamais vraiment existé, en fait. C'est ça qui est bon. Oh my god. Oh non, Ricardo. Ricardo. Il y a un truc qui te pompe le dard. Ricardo, ça va lui faire tout drôle à son réveil. Oh my god. J'ai de la chatte là. Sur ce coup-là, je crois que j'ai de la chatte. J'ai une petite étoile quand même, hein. Pas déconner. Essaye de se faire discret, salaud. Merde, c'est pas par là qu'il fallait aller. C'est vrai, c'est là-bas au fond. On oublie vite. Bah heureusement en fait, parce qu'il m'aurait vu sinon. Allez, c'est reparti. Pac, 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 là, tu vas mourir, tu vas crever. Normalement, si le jeu était sympa, j'aurais pu l'exposer à ça, l'alien, mais hélas, ceci est la seule chose qui est efficace contre ce fils de pute. On va pas traîner tout à l'heure, on a traîné, il a eu le temps de rip-off, cet enfoiré. Et maintenant, on va plus faire la même erreur. Voilà. Et maintenant, c'est reparti pour la souffrance. Ah, je crois qu'il est arrivé. Le pire, c'est que cet enfoiré monte cet escalier. Fumigène. On va garder quand même le lance-flamme en main. Il est malin. Il est très malin l'enfoiré. Il m'attend en bas. Bon, il veut. Il va me donner. Je suis pas un salaud. Il en réclame. Juste. Il fait chier, il est en haut ou en bas? Qu'est-ce qu'il m'a fait une feinte là? Ouais, plus merde, allez, on y va. J'aimerais juste pas l'utiliser maintenant, mais. Salut, fils de pute. Viens, on peut pas passer par là. C'est la baise. Il y a des mecs qui tirent aussi, ça va être chiant. La salle des machines. On peut passer par la salle des machines.
On va passer par là. Salut Ryan, bienvenue à toi. Ryan. Je sais bien. Ok. Le petit fils de pute est là. Dans la salle, et tu connaîtras la brûlure extrême. Je crois qu'il m'a vu. Mauvaise idée maintenant, je passe plus par là. My God! C'est une connerie, je vous le dis moi. C'est une connerie. Je vous le dis, c'est une connerie de refaire ça. C'est une connerie. Tu la tires avec une flèche, tu le crames après. Non, mais si je la tire avec une flèche, j'économise mon lance-flamme dans ces cas-là. Je profite de passer rapidement. Où est-il? Putain, en plus il est brouillé ici. Oh mais ouais. C'est un piège. Ok, c'est confirmé. Je voulais juste savoir si la première fois j'ai pas eu de chat. Parce qu'il était là, il m'a entendu, il est venu. Mais là, il était en haut dans les conduits, il est descendu et il m'a rushé. Donc on est bien d'accord, c'est un piège. Voilà, je voulais bien savoir ça en fait. C'est vraiment bien un piège, ton truc de merde là. Ok, ça va, c'est passé. J'étais en train de me dire, mais s'ils ont mis ça, s'ils ont mis toute cette interaction, ça sert bien à quelque chose. Mais non, c'est juste un piège tout ça. On te dit, vas-y, avance dans les conduits. Tu te sens en sécurité, ouvre la petite boîte. Tu vas rentrer dans la petite boîte. Mais cet enculé t'attend derrière. Tellement qu'il est mal synchronisé, qu'il est même sur toi, même déjà avant que tu aies fini de faire l'interaction, tu sais. Il est déjà tout prêt, le mec. Tu peux même le bombarder de lance-flamme dans la bouche. Ça lui fait rien. J'aurais dû le bombarder en continu, j'aurais dû pas m'arrêter. En fait. Je sais pas. Je sais pas. C'est un putain de piège, quoi. Ok. On passe plus par là, ça marche. On va faire un mode commando. J'ai presque envie de rusher. Et le flanflammer. Mais on va regarder. Mais non. On va économiser. Parce qu'on sait pas de quel niveau, où est la fin du jeu, tout ça. Et si on va devoir le raffronter plus tard. Imaginez-vous qu'on se retrouve dans la situation du début du jeu. Où on n'a plus rien contre lui. Et que la seule manière de continuer, c'est le fait de se cacher. On va passer 2 heures. Tu vois là, je m'en bats les couilles. Je l'attends là, tu vois. Là d'abord, je vais le cramer ici parce qu'il me casse les couilles. Il est trop prévisible en fait là. Il m'a saoulé. Allez, entre. Je sais que t'as envie de rentrer. Il arrive. Je crois qu'il est entré dans le conduit. Ok.
C'est là-bas, hein. On lui dit, mais d'accord, hein. Ouais, c'est bien ça. Il est monté là, dans celui-là. Ok. On va passer encore par là, tiens. Tiens, il marche déjà. Il est rapide, hein. Le pire, c'est que la ligne, quand il vient sur moi... Ouh ! Nickel ! Je m'attendais pas qu'il allait rentrer dans la salle. Allez ! Fils de pute! Oh, Volcan, sac à merde! Oh, ok. J'ai profité, hein. Il y avait les autres qui tiraient, tout ça. Il faut aller où, là? Ici. Ok. Et là, il faut aller à droite. D'accord, à droite, hein, que je vais passer de conneries. Okay. Ça va. Allez, on se tient. Je l'ai enflammé, le mec, il a rien compris, le pauvre. Je voulais prendre le fusil à pompe, il avait une lance-flamme en main. J'ai pris cher. J'ai pas vu ma vie en plus. Oh, le fusil à pompe, là, le coup de fusil à pompe qui était bon, là. En plus, j'ai mis la flare, là, pour le virer de là. En plus, j'ai de la chance de te mettre dans la salle, il m'a pas vu. Quoi. Il serait amusé à me tirer dessus. L'alien, la première chose qu'il faisait, c'est de passer là où j'étais avant de rentrer sur le gars. J'aurais été gravement dans la merde, quoi. Donc, ça, il m'a pas trop enlevé de vie. Et le. Putain, y'a un mec là-bas. Me vois pas. Ok, nickel. Ok, y'a un mec juste là, quoi. Il s'est dans cette salle en plus qu'il faut se déplacer. Et si je vous tire, il vient, quoi. Ah, ça va être la merde. Il faut que je paye une paire de coups. Il faut que je fasse une paire de coups. Je suis sûr que la ligne va descendre. Oh, attends, on va prendre le risque. Tire pas, sac à merde. Oh, bordel, c'est un cul-de-sac. Oh, pas de chance. C'est trop bon là. Oh, je m'y attendais pas. Oh, je m'attendais que ça allait être bien fort. Il faut aller où nous? Là? C'est cette porte? Oh! Oh! Ouf! Oh, fuck off. Ok. Je vais le taser. On peut le taser? Je vais le frapper dans la bouche, hein.
Pas le choix, c'est ma dernière flair, mais... Si on peut faire ça tranquille, ce serait bien. Mais pour combien de temps, ça c'est la vraie question. Ok, il y a des choses ici. Ok, je pense à rapport à l'ordinateur en tous les cas. Ah, ok. Bordel. Alors, impossible. Attends, ok. Le code, ok. Allez, on va noter. 1, 8, 5, 1. Ok. Ah, c'est l'avenir, là, là, blablabla, blablabla, pff, ouais, c'est bon. 5-0 au rapport. Vous avez mis trop de temps. J'ai été obligé de boucler cet endroit et de prendre le dernier transit. Il faut revenir au niveau où on était tout à l'heure. Le sanctuaire grand ouvert. Il suffit qu'une seule créature s'infiltre, et toutes les provisions et armes qu'on a ramassées seront foutues. Les proches et moi, on va rester jusqu'à ce que les secours arrivent. Je suis navré. Mais quand vous avez commencé à poursuivre un vaisseau qui ne viendrait jamais, vous avez dit... Sinclair terminé. Il s'est fait bouffer ? Ok, il s'est fait bouffer. Merde, mais non, je voulais pas qu'il... Mais non, j'ai tout bien fait, j'ai gâché deux flares pour la faire silencieuse, celle-là, deux flares. J'aurais su que tu venais, je t'aurais acclamé tout de suite, j'aurais mis un coup de fusil à pompe dans la tête de l'autre et je t'aurais tué derrière. Et là, tu viens comme ça, là. Mais non, t'as triché. Là, j'allais simplement faire un émetteur de son, même pas. J'aurais cherché dans ma petite boîte, là, ce que j'avais d'intéressant. Quel enfoiré, quoi. En plus, il faut marquer le code, quoi. Enfin, ça va être simple, hein. Je vais le cramer, je vais, il va monter. Je vais créer le code en 2-2 et on rentre. Hein. C'était le plan B, normalement, mais bon, voilà, quoi. Putain, il y a un bruit sonore de merde ici, je sais pas si vous l'entendez sur le live. Hello, my friend! Comment est-ce, fils de pute? Allez. Me faire trompette, connard. Moi, je vais aller marquer le code. Je fais même pas de sauvegarde parce que j'ai peur que ça foire. Oh putain, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi le code? Pourquoi? Quelle porte? Comment ça? Où est-ce? On est d'accord, hein. Non. J'ai plus de flair pour toi. Bah, si c'est un cul-de-sac, donc on est baisé. Je crois que c'est là-bas, au fond à droite. C'est un peu abusé là. Où c'est ce truc qui brille là? Ah merde, c'est quoi? Tu casses les couilles, l'alien, hein? Allez, tiens. Cadeau! 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 Allez, fais pas ton timide. Moi, je crois qu'il voulait me faire une fin au début. Bon, on arrive sur la dernière charge. On se bouge le cul maintenant. C'est pas ça. On se dépêche. C'est lié à quoi cette porte de merde? Je sais pas à quoi est liée cette porte. C'est un peu la baise là. Il faut bien revenir en arrière à mon avis. J'utilisais trop de lance-flammes là, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Calme-toi. Merde. C'est lié à quoi? Merde, il me laisse pas le temps de réfléchir aussi. C'est là, à ce moment-là, qu'ils auraient dû inventer les pistolets silencieux, quoi.
Transit la menace sur le monde. Rétablir le courant. Ah, il devait y avoir une petite boîte. Il est déterminé, regardez-le-moi. Oueto! Poté, poté, poté. Bon, en même temps, il y a tellement d'aliens qu'ils auraient pu nous en faire au moins buter, hein. Ça aurait été sympa. Hein. De se dire, ouais, ça y est, je l'ai tué, l'enculé! Là, il y a trois autres trucs qui arrivent derrière, tu vois. Mais là, il n'y a rien, quoi. Là, c'est la baisse, quoi. J'ai presque plus de lance-flammes. Ça, ça va être méga chaud. Je fais pas de sauvegarde juste pour ça, en fait. J'ai peur qu'on se fasse baiser pour rien. Putain. Rétablir le courant. À mon avis, ça doit être en bas à droite. Ou revenir en arrière aussi, quelques possibilités. Ou cette porte là, tout simplement, là, celle à droite là. Ah bah ouais, c'est celle-là. Connard. Attendez, il y a monsieur l'alien qui se demande. Il demande rien. Allez, 1, 8, 5, 1. Ah my goodness. Il nous a bien eu, ce petit connard. On a presque plus dans ce lance-flamme. Ça va être chaud quand on va tomber en rupture. On va pleurer. On va pleurer, croyez-moi. Ça va être la souffrance. Blic, blic, j'entends. Tu vois, celle-là, elle est déjà plus intéressante. Ça me fait chier d'avoir utilisé beaucoup de lance-flamme quand même, là. 150, sachant que... Ouais, il faut que je lui mette des petites pic, pic, pic sur la bouche, comme ça, mais très léger, quoi. Oh, la merde. Ok, allez. Connecte-toi. Hein? Je crois que ses amis arrivent. Et alors? Ah ah! Ah oui, la porte fermée. C'est bizarre, mais... plus dans ce flamme. Presque plus. 150. On va mettre un émetteur de son. Il est temps d'utiliser les gadgets. Attention à cette merde-là. Je suis sûr que c'est un petit détecteur. Alors, moi, il faut un... Après, quand on regarde le lance-flamme. Allez, on est si presque du but. On y est presque. On y est là. Il n'y a pas l'alien en plus, vite, il faut profiter. Ouvre. Ouh. Oh la feinte. Oh. J'ai les réflexes, hein. Sa mère. On a fait surniquer là. On a fait ressembler à Thompson là. Je sais plus comment il s'appelle là, l'autre là. Oh la merde. Oh merde. Je ne sais pas trop à quoi je m'attendais. Peut-être à ce qu'ils changent d'avis et me laissent entrer. Peut-être à ce qu'ils me descendent comme ils font à tous ceux qui se mettent en travers de leur chemin. Ils m'ont fermé la porte au nez. J'entends du mouvement à l'étage en dessous. Pas de temps pour les cérémonies. Sinclair et sa horde se sont emparés des provisions de Sébastopol et de la plupart de son arsenal. Mais j'ai aussi entendu des voix d'enfants. Je me demandais bien où ils étaient passés. Ils peuvent peut-être les protéger contre les monstres. C'est du moins ce que j'espère, malgré tout. Mm-hmm. Oh, le salaud. Il est juste là, regardez. Quel petit bâtard. J'ai presque envie d'envoyer une émetteur de sang le temps que je me... Okay. Le temps qu'on s'occupe de lui, mais... Il est vénère, hein. Alors, il faut aller à la porte au fond maintenant, celle qui est au fond là-bas.
Oh, il faut appeler l'ascenseur. Oh la merde. Oh, nickel. Allez. Vite, il va pas être à moi dans mon dos. Il faut appeler cette merdasse. Ok, ça va être simple. On va attendre dans cette salle, en espérant qu'ils ne la verrouillent pas, ces petits salauds. Ok. Ils sont sympas. Ciao, bambino! Bye bye! Foiré. Ouh, ça va, c'est très bien passé. Je m'attendais à pire. Hein. Ah, on se prépare, on sait jamais. Hein. Je m'attends trop qu'il y a des aliens qui m'attendent derrière. J'ai presque pu lancer la. Oh là là. Ça va être chaud. Il faut trouver de la recharge là. Il faut qu'il nous offre une salle bonus quand même. Hein. C'est un minimum. Un Big Big. Allez, on a fait tellement là, un Big Big s'il vous plaît. Ripley, ici le Torrens. Ripley, on va bientôt se mettre en position pour la séquence d'arrimage automatique du cordon. Attends, juste avant, dis-moi où il y a une sauvegarde là. Il n'y en a pas. On sera en silence radio jusqu'à ce qu'on arrive à se mettre sur l'orbite de la station et qu'on soit en position. On attend plus que tu déploies les pinces de remorquage. Ok. Je me demande encore comment j'ai pu te laisser m'entraîner là-dedans. Pour sauver mon cul, salope. Allez, c'est là. Moi je souffre, toi t'es dans ton vaisseau peinard là, salope là. Tu viens de nous chercher là, t'imagines pas, t'es pas à ma place, toi elle parle mais elle est pas à ma place là. Oh là là, moi j'ai souffert, j'ai soigné des gens pour rien, j'ai aidé des gens pour rien, j'ai fait beaucoup de choses pour rien. Il suffisait de pas quitter le vaisseau. Blague, est-ce que je rêve ou il est en train de me dire on va te baiser encore plus là? Ça veut dire ça à mon avis, on va te baiser encore plus. Big Big, voilà. Ah, comme si c'était si simple quoi. De toute façon, je savais qu'ils allaient me compliquer la vie. Hein. Ils l'ont toujours fait depuis le début de manière. Bon, c'est parti. Je crois qu'il y a du gaz dans la salle. Là. Échec des stabilisateurs orbitaux. Abandonnez la station. Attends, juste avant, on s'est fou, je vais où là? Okay. Abandonnez la station. Oh bordel. Bon. Oh là là, et maintenant c'est les robots quoi, qui s'y mettent. Un autre. Est-ce qu'on peut faire un kit de soins? Ah oui, nickel. Je crois qu'on va se faire beaucoup de ça. Hein. On va se faire beaucoup de kits. C'est hyper important le kit de son, attendez. Attends, juste avant qu'on continue, je vais recharger la pile. Voilà. Bah tiens, il y a des piles en plus. Et une fumigène. Ah, c'était juste pour un bonus. Ah, c'est dommage. Ouais, au début je m'attendais qu'il était sur le toit de l'ascenseur, mais en fait pas du tout, c'est juste que vu que le vaisseau est tellement endommagé, l'ascenseur a fini par péter quoi. Le robot à un moment... Ok, il est là ce fils de pute. On va le laisser tranquille la machine, hein, si vous voulez bien. Même si j'ai deux tasers... Mais normalement ils sont plus méchants là. Non, ils sont méchants. Je vais vous attraper. Je vais te griller, fils de pute. Viens ici, sac à merde. Oh non, tu devais pas. Aïe.
Je t'ai dit, tu brûles! Ah mais non, il brûle plus! Bon, je cours un risque. Je cours un risque, mais... Oh, en plus, il ose. Il ose. Il a osé. Je vous jure que ces robots, j'ai envie de les niquer. En plus, il faut repasser dans le conduit pour aller chercher le bonus. J'ai envie de chialer, quoi. Fait chier, ce jeu. Ils sont increvables, ces médecins. Toujours, c'est les médecins, là. Ceux qui sont comme ça, là, qui cassent les pieds. Abandonnez la station. Abandonnez la station. Ah non, ça sert à rien, ça sert à rien. Non, on a écouté. Fais chier d'utiliser des trucs pour cette merdasse, non. Allez. On va recharger la pile. Voilà, on va créer un kit de soins. Voilà. Bah ouais, il faut démissionner. Là, tout ça pour une boîte noire. T'imagines la boîte noire, on a eu 2 secondes pour savoir qu'elle est... Putain, qu'elle était à la dérive, quoi. Non, mais please, quoi. Pff, ça, on le savait déjà, quoi. Putain. Tout ça pour ça, quoi. Juste pour un petit message de merde. Une tombe trop de souffrance, là. Ça vaut pas, quoi. Bon, bah, on va niquer comment, lui. Faut trouver une strat, là. Ouais, de toute façon, ça marche pas dans les conduits. Bon, bah, voilà. Chien. On va le buter, hein. Pff, allez, viens. Allez, viens, 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 viens. 1, 2, 3. 3 balles pour tuer un médecin de la mort. Hein. Eh ben, vous coûtez cher, vous. Hein. Voilà, connard. Comme ça m'évite d'utiliser 2 tasers. C'est d'ailleurs, on économise un peu quand même. Abandonnez la station. Ah, j'avais ça aussi, le pistolet à clous, on l'a oublié celui-là. C'est vrai que c'était très efficace contre lui. Non, bon, tant pis, c'est pas grave. On a dit 3 balles, ce sera 3 balles. J'ai aucun regret. Puis j'ai beaucoup de balles, donc ça va. Il faut dire que pour l'instant, c'est un peu ça qu'il me faut des balles. Oh, j'ai récupéré de l'essence. 50. Bah, c'est mieux que rien, je crie pas. C'est super bien. Voilà. Nous sommes contents. On est flammes. Okay. C'est quoi le c'est une bestiole, c'est quoi ça? Ah oui, c'est celui-là. Bonjour. Bonjour. C'est pourquoi? Quelle est votre commande? Vous rentrez pas, je vous ai dit, vous rentrez pas. Vous sortez de là, vous faites la queue comme tout le monde, dis donc. Faites la queue. J'ai plus beaucoup, hein. Je n'ai plus beaucoup, là. Regardez mon gaz, il est très limité. Soyez, s'il vous plaît. Tu te fous de ma gueule, là, en fait. Tu veux du contact, c'est ça que tu veux? Quel enfoiré, j'ai plus assez de gaz, là. Vous coûtez cher, monsieur. Vous coûtez cher. Un truc qui va détecter de l'autre bout du monde, quoi. En progrès. Après une évacuation, vous êtes prié de ne pas regagner la station avant que l'ordre n'en soit donné par le corps. C'est un salaud, mais c'est pas le même, je suis sûr que ça en est plein de différents qui m'arrivent sur la gueule. Chaque étage, j'en ai un, quoi. Heureusement qu'ils mettent un par un, quoi. Pas 2 par 2, ou je ne sais pas quoi. Allez, on se fait un kit de soins. Enfin, il faut qu'on se bouge le cul, il peut revenir à tout moment. Faut pas l'oublier, ça. Après, on ramasse la camelote en 2-2. Alors, dites-moi tout. Ouais, le molotov, on l'utilisera, ouais. Mais les motos, je suis moins, tu vois, je me sens moins bien avec. Parce que si je foire... Il y a un code, là. 1, 9, 8, 4. Ok. Attends, je vais quand même vérifier qu'il n'y a pas de code. Alerte. Veuillez vous rendre à votre point d'évacuation respectif et attendre votre responsable synthétique d'urgence. Synthétique.
une source de problème. Où faut-il aller? Quelque part. On va longer ce couloir. Il y a beaucoup de choses pour se cacher. Hein. Ça, quand tu dis ça, c'est que t'as plus de feu. Ah, ok, c'est là. Alors, 1, 9, 8, 4. Échec des stabilisateurs orbitaux. Abandonnez la station. Abandonnez la station. Merde. On est mort. Maston. Passe par où? Vite, faut pas que je traîne dans cette salle, j'ai presque plus de gaz là. Faut revenir en arrière? Oh, je sais pas. Attends, il y a quoi là? Il y a un couloir. Je crois qu'il faut vraiment revenir en arrière. C'est quoi pour du bonus, sérieux que je suis venu là? J'ai aucune idée s'il faut revenir en arrière en fait. Ah, je pense pas. Hein. Évacuer la station. Ceci n'est pas un exercice. Merde. Est-ce qu'on a pris du choc là? Non, ça va. Je suis con d'insister, mais je suis persuadé que c'est là la suite. Un truc que j'ai pas dû voir. En même temps, comment tu veux voir bien correctement quand t'as un sac à merde qui te suit comme ça, quoi? Ah, c'est ça. Ah, oh, oui, c'est ça. Après évacuation, vous êtes prié de ne pas regagner la station avant que l'ordre n'en soit donné par le coordinateur orbital d'urgence. Ok. Oh, ça va, ça sent plutôt bien. Mais la vraie question, c'est pour combien de temps? Alors, où est la suite de l'histoire et où est la salle bonus? Je crois que ça, c'est une salle bonus, non? Est-ce que je me tromperai? Ouais, je crois que c'est une salle bonus. Hein. Vas-y, voyons voir. On peut faire un tuyau, mais les tuyaux c'était ouais, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4. Vas-y, on va faire un tuyau. C'est toujours bien contre les humains et les synthétiques, mais pas mal. Comme ça, on est full stuff, voilà. Allez, on se flamme. Alors toi tu m'as l'air un peu, mais un petit peu suspect, non? Ah non, t'es un humain toi mort? Ok, bon bah ça va alors. Si t'es un humain mort, hein, c'est bon. Allez, on va. Allez, un kit de soins, please. On se fait quand même un max de kit de soins, parce que merde quoi. On prend trop cher, je trouve, depuis le début du jeu. On se vide un peu, hein, normal. Putain, il fait sombre ici, hein, vous devez sûrement rien voir, je vais allumer un peu. On va le teindre là, vous voyez. Je connais bizarrement la pile. Hein. Mieux, moins on l'utilise, mieux c'est quoi. Échec des stabilisateurs orbitaux. Abandonnez la station. Flamme, ça me fait un peu chier. Bon, ça va, on en récupérer un peu dans le teint. Donc, disons que. Ah, ok. Soudan. Allez, que la porte s'ouvre. Ok. Un long couloir. Beaucoup de salles. Ça pue. Porte fermée. Tant qu'on n'entend pas les boum boum. Évacuez la station.
n'est pas un exercice. Sans blague. Putain, j'ai eu peur qu'ils allaient me faire fouiller toutes ces salles là, au bout d'un moment. Il y a un big big là-bas. Ok. On ramasse ça, de la fumigène. On en a combien de fumigène? 2. Ça va. C'est bien. Oh, un casier. Ça, tu vois, j'aime un peu moins. Une salle verrouillée. Je sais pas, mais je sens pas. Quand je vois des casiers, je me dis pourquoi il y a un casier là. Qu'est-ce qu'il fout là, quoi. C'est bizarre, mais je sens qu'on va devoir se faire les salles. Hein. C'est trop simple. Je sens qu'on va devoir se cacher dans cette zone. Il y a un ordi là. C'est surtout ça que je veux prendre. Hein, ou monsieur, bonjour. Excusez-moi, je m'occupe de vous tout de suite. Je pointe. Je pointe. Salut. Cartouche de fusil à pompe. C'est bon ça. Alors que faut-il faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Là-bas? Ça sent vraiment les problèmes. Hein. Je sais pas vous, mais moi je sens que ça sent vraiment les problèmes cette salle. Allez, on avance par là. J'aime les conduits quand l'allée ne rentre pas dans les conduits, tout simplement. Mais sinon, en temps normal, là, ça me fout un peu le trac de traverser là-dedans. Alerte! Veuillez vous rendre à votre point d'évacuation respectif et attendre votre responsable synthétique d'urgence. Trop de passages, tu vois, trop de raccourcis, trop de trucs là. Et lance-flamme très très très. Ah, j'en ai encore récupéré. Putain, le temps qu'on a récupéré, on est bien quoi. Ah putain, il va falloir revenir là. Ok. Bon. Ah. Ah putain, il va falloir aussi activer ce merdier. On va être dans la merde, en fait. On va être dans la merde. C'est par là, c'est un biais ce machin. Ouais, c'est un. Ça va mieux se passer. Là, tu vois, en ramassant la carte magnétique, je crois que j'active l'alien. J'ai encore quelques groupes de raids en route pour prendre des positions et des armes, mais j'ai l'impression qu'on va faire mieux juste à temps. Les synthétiques de Sixon ont commencé à s'éloigner de leur poste. J'ai vu une chaîne de cadavres étranglés dans des lieux publics. Mm-hmm. Alors faites gaffe. Oh, et si vous m'écoutez et que vous ne faites pas partie de l'équipe, ne venez pas nous trouver. On n'hésitera pas à ouvrir le feu. Ah bah. Vas-y, tu peux venir l'alien, je t'attends de point ferme. Ok, il va falloir mettre la carte et ensuite revenir là, activer. Est-ce que je me dis ce qui va passer par dans ce couloir? On va pas le voir ici. Voilà, la musique s'emballe. Voilà! Et qu'est-ce que je disais? Ça sentait trop qu'il allait passer par là. Il m'arrive toujours dans la gueule. La porte s'est ouverte. Bien évidemment. Ah putain, c'est pas là, c'est où? Où c'est? Où est-ce? Ah d'accord. Merde, c'est où ça? Il faut avoir... De toute façon, ce truc, c'est une machine de merde, il va falloir... Après évacuation, vous êtes prié de ne pas regagner la... J'ai un pressentiment qu'il va falloir y aller. Par le coordinateur orbital d'urgence. Faut rentrer dans cette salle. Merde. Il peut venir, j'ai fait mon plein de... De bidule. J'ai pas de sauvegarde. Quoique... Vas-y, une petite. Une petite, hein, juste pour la forme. Ok, dans l'autre salle.
ceci est un problème. Bitch! Bitch! Voilà. Ce chemin, on pouvait pas y aller avant. Si je dis pas de conneries. Si, c'est là où on venait. On se tire par là. Putain, je sais pas s'il faut vraiment se tirer par là. Allez, on va tenter le risque. Sans c'est un casier là-bas, c'est, à mon avis, c'est pas pour rien. C'est pour ça que je me suis dit là, ce casier, il... Je sais pas, il me parlait un peu quand même. Un peu beaucoup, je dirais même. Ah, j'ai entendu une respiration. Il doit être dans un conduit, ce petit bâtard. Ouais, il est dans le coin. Il est là. Ouais, il est là. Dans sa respiration. Ok, c'est bon, il est parti. Putain, j'ai de la chance, heureusement je l'ai entendu là. Bon. Les portes vont sûrement s'ouvrir. Je vais demander celle du fond, là, celle qui est à gauche dans la fameuse salle là. Putain, après il va falloir revenir ici pour aller actionner le bordel. Bah voilà, vous voyez. C'est sûr, c'était inévitable. Inévitable. Évacuez la station. Ceci n'est pas un exercice. Un petit big ici, ça fait toujours plaisir. Bon, tant qu'il est dans ses conduits, nous on profite, hein. À mort on profite. Oui, à mon avis, il attend un deuxième déclencheur pour redescendre et se donner une raison de venir me bouffer. Alors, on va pas lui donner l'occasion. Oh! Petite merdasse! Meurs! Allez, fous le camp! Fous le camp! Voilà! Ah, bien fait, hein. Franchement très bien fait. Je m'attendais pas à ça. Je pense que à ce niveau-là, t'avais intérêt d'avoir du lance-flamme. Hein. Oh, imaginez-vous, on était à court de lance-flamme à ce moment-là. Oh merde. Allez. Voilà, le générateur. On savait bien qu'il allait servir à quelque chose. Salopard. Putain, on voit rien. Je suis désolé, on va rester en noir. Oh! Bitch! Alerte. Bah non. Ah, il est monté, ok, c'était là, fait sa sortie. Mon dieu, je crois qu'il m'avait sauté dessus. Merde, on vient d'où nous? C'est là-bas qu'il faut aller. Putain, il était même arrivé à me paumer dans la direction, quoi. On a presque plus de vie. Il m'a blessé, faut me soigner. Sinon la prochaine fois il me tuera. Il me enlève de la vie ce fumier qui me touche. Baiser, tu peux pas passer par là. Bitch! Ah, encore! Oh, il veut me bouffer là. Il m'a encore enlevé de la vie. Putain, ça va le faire, les mecs. On va y arriver. Ah, je suis désolé, mais je peux pas vraiment monter le game, hein. Je suis vraiment désolé, regardez, je fais ça un peu pour vous quand il est pas là. Voilà. Je pense à vous, on allume un peu la lumière. Je me fous en danger pour vous, alors, attention. Ah, par contre, je suis obligé d'éteindre, vous comprendrez.
Allez, ça va le faire, les cocos. Faut juste activer cette bordel là. On a très très peu de lance-lames. Hein. Je profite parce qu'on en avait encore 200. On va dire que dès que je parle, dès que j'ai passé la barre des 150, normalement je devais me calmer. On est mort. Oh, il m'a arraché la tête. Ok. Oh, ça fait un bordel. No way, il faut vraiment le cramer en fait. On n'a pas le choix, hein. Il faut vraiment le cramer pour éviter qu'il nous grille. Trouver un chemin pour aller au terminal. Attends, c'est pas fini encore ça? Si, ça y est, on l'a fait ça là-bas. Parce qu'on l'a... Non, on l'a pas fait. Non, on l'a pas fait. Là, il va revenir en mode de sneaky. Voilà, en mode sneaky, sneaky. Allez, viens là. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il me blesse avant de se tirer? Quel bâtard, là. Putain, il veut vraiment me défoncer même avant que ça commence. Après évacuation, vous êtes prié de prendre quelqu'un. Ok, il n'y aura plus avoir de lumière. C'est des problèmes sur des problèmes, quoi. Tu peux foutre le gant, please? Il me reste 154. Putain, plus assez de distance, hein. Ok, nickel. C'est ce que tu devais faire. Désolé pour le... Allez, il m'a encore blessé. Il va m'éclater. Il va m'éclater. Il va me coûter cher en soins, lui. Ah, celui-là, là, cet ennemi-là, il va me coûter vraiment très cher en soins. Heureusement qu'on a fait vraiment une réserve. No way, on va utiliser la flare. On va l'envoyer dans le couloir. Coucou, joyeux Noël, fils de pute. Voilà, putain, 100. Oh mon dieu, voilà, ça ruine, on arrête. On n'utilise plus de gaz. Interdiction d'utiliser le gaz. Interdiction. On va faire une sauvegarde. Mais interdiction de faire quoi que ce soit comme. Oh le problème, quoi. Oh, ça va être un problème. On va prendre du fumigène. Ok, on va passer par là. Ceci n'est pas la rivière. Il va falloir qu'on utilise le fumigène. Quand le vire de là, parce qu'il va entendre quand je vais faire le machin. Il faut que je le bute, hein. J'ai pas le choix, il faut qu'il se tire. Il est pas con, hein, il va rentrer. En tout cas, il aime pas le gaz. On va écouter, on va le tuer à Molotov, on va garder... Là, clairement, on va garder le... je vais t'écouter clair, clair, là, on va utiliser le... Et il rentre, fils de pute! What? J'ai remarqué, c'est qu'il adore tricher. Il adore tricher, hein.
Il adore ça, le jeu. Tu lui envoies un truc dans la gueule, t'as l'impression qu'il part pour aller tirer, en fait. Mais en fait, ce fils de pute te fait une feinte, et en plus de ça, il te tue à longue distance, quoi. Putain, mais sérieux, lui. Voilà, on fait un peu de lumière, les mecs. Non, mais je vous jure, ça c'est pas efficace, le lance-flamme. Hein. On va voir ce que ça veut dire dans la description. Le moteur est disposé à incendiaire qui explose à l'impact. Si les victimes humaines et organiques n'y survivront pas, mais les sont très résistants au feu. Cette version améliorée inflige davantage de dégâts sur une zone un peu plus vaste lorsqu'il a été modifié. Ce type est posé comme un piège explosif. Je crois que c'est vraiment pas efficace du tout envers l'alien. Je crois que c'est vraiment le lance-flamme, quoi. On est dans la merde. Allez, on va prier, on va le faire. Après évacuation, vous êtes prié de ne pas regagner la station avant que l'ordre n'en soit donné par le coordinateur en pilote d'urgence. Alors, je ne sais pas du tout où il faut aller. Je sais pas quoi. Je sais pas comment on va faire pour y aller. Oh putain, qu'est-ce que c'est. Oh, il est juste là. On a que 100 quoi. Allez, fous le camp, là, j'ai presque plus, là. Je réfléchis à où on pourrait passer, mais... C'est un problème, ça. La musique qui spam, j'entends presque plus le jeu, quoi. Il y avait un truc là. Eux, il y avait recherche, un truc eux là. Il devait y avoir un sous-sol, j'ai pas dû capter peut-être. On gagne du temps. Il faut revenir en arrière, ça c'est impératif. Regardez, il est là-bas, cet enfant de salaud. On a gagné du temps. On a plus de lance-flammes là, ça va être chaud. Coloris de fouiller dans cette salle d'abord. On n'a pas bien fouillé cette salle. On est où à peu près au niveau? Ah, je pense qu'il n'y a rien dans cette salle. Hein. On fait le tour, mais... J'ai l'impression que c'est pas du tout ici, quoi. On a la sauvegarde de toute manière. Remonter le couloir. C'est cette porte, tout simplement cette porte là. Oui, c'est ça. Oh oui. Oh, j'ai bien fait de venir là. On récupère les objets en passant. Bon, la musique elle se met un peu, désolé pour le dialogue. Allez, on avance. J'ai essayé.
Mon dieu, c'est un labyrinthe ce truc à la con. Non, c'est bon, il y a qu'un seul homme. Tu peux le sauver si tu veux. Alors, il faut aller à gauche ou à droite là? Ok, c'est cela. Envoyer les marines, c'est fait tout péter. Sébastopol, et c'est Diane Verlaine, capitaine du Torres. J'essaie de m'amarrer à la plateforme de remorquage sous le terminal des vols spatiaux. Ok. Je vous informe que nous pouvons prendre des survivants. Oh, j'arrive. Attendez-moi, je vous en prie là. Faites pas la salope. Il y a peut-être du bruit sur fond. Oui, il faut comprendre l'ascenseur, c'est bien ça. Ouais. Pourquoi il y aurait un truc ici, à mon avis, il y a un truc à faire. Non, peut-être pas, j'ai pas des idées. Peut-être un bonus. Hein. Ah ouais, il y a un bonus, on peut pas le prendre. Un kit de soins, on peut faire? On peut pas. C'est un peu la base du coup. Ok, on se tire. On va recharger la pile. Et là, on le voit rentrer, tu sais. Je rigole. Je cours à l'ascenseur, direct. Allez. Putain, dis-moi qu'on s'approche, là. Normalement, on n'aurait pas dû passer par ici, c'est l'ascenseur. On y serait bien descendu, quoi. Mon Dieu. Ok. Alerte. Veuillez vous rendre à votre point d'évacuation respectif et attendre votre responsable synthétique d'urgence. Tout est bien chargé, je vérifie. Tout est bien chargé. Ah, il y avait une bip-bip. On l'oublie pas, lui. Hein. On l'oublie facilement pas. Je suis trop concentré à la suite, là, en fait, c'est ça. On arrive, c'est tout près là. Là, on suffit qu'on arrive à monter dans le vaisseau là du Torrens là et c'est bon quoi. On se dit et on dit adieu au Sébastopol et on peut le faire sauter après. Et eux et toutes leurs putains d'aliens à l'intérieur quoi. Et les machines à la noix. Ah, je m'en souviens d'ici. C'est au tout début du jeu, souvenez-vous. Et il y avait une porte qu'il fallait souder. Oh, je m'en souviens. Je sais où elle est. Je sais exactement où il faut aller du coup. Exactement, bah ouais, je crois que c'est là où il y a ça en plus. C'est ça. Oh mon dieu. De toute façon, c'était sûr qu'on allait revenir sur nos chemins. On va vraiment tout repasser, même la grande salle. Évacuez la station en route. Ceci n'est pas un idée à station. Abandonnez la station. Bon. Ça va bien se passer. T'en fais pas, Philippe, on va y arriver. L'alien n'était jamais encore venu ici. Hein. Et nous, c'était là. Ah non, c'est pas là. C'est une porte soudée, si j'ai pas de conneries. Ah, faut vraiment revenir au niveau là, hein, je crois. On va dire que là, il nous laisse en autonomie parce qu'on est déjà, on sait déjà comment elle était foutue, la zone. Ouais, c'était ça. On n'est jamais pu venir ici. Donc. Oui ? Petit souvenir. Je le savais bien qu'on était jamais rentré dans cette salle. Allez Philippe, fais-moi voir qu'est-ce qu'il y a dans les ordinateurs. On était curieux depuis le début du jeu de savoir ce qu'il y avait là-dedans. Ok. Mine. Ok. Oh, yeah. Là, j'ai plus de place. Qu'est-ce que je peux faire, tiens, pour récupérer. Ok. 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 Et là, je peux ramasser. Voilà. Allez, c'est parti. Ici Ransom. Je viens de recevoir votre requête. Oui, j'ai bien des archives du relais de transmission et j'ai effectué quelques décryptages. Je cherche des rapports d'un équipage qui ont été captés par Sébastopol il y a des lustres. Je sais que vous vous faites du mouron, mais c'est de l'histoire ancienne. J'ai besoin de savoir certains trucs. C'est à propos d'une transmission de données pour la compagnie émise aux abords de Tellus par un vaisseau avant qu'il entame son voyage de retour.
Ça casse pas trois pattes à un canard. Ici Dallas, je suis sur le point de radiodiffuser le rapport de données vers la Terre. Tiens là. Sébastopol. Et tout est topé, ben... Vous aurez de nos nouvelles quand on aura atteint la bordure du système solaire. Vous ennuyez pas trop sans nous? Dallas, terminé. T'inquiète pas. Je pense que là où tu es, même si tu t'ennuies, t'es super bien. Ici, il y a des gens qui crèvent. On va marcher normalement, ici, on va essayer au moins. Bon, donc là, normalement, c'est là-bas qu'il faut aller. Parce que c'est de là où on venait. Merde alors! Pourtant, c'était là qu'on était arrivé au début, ici. Et là-bas, c'était une porte qu'on pouvait pas ouvrir, je crois qu'il fallait décrypter. On utilise des souvenirs, là. Normalement, c'est une porte à décrypter, là-bas. Mais on n'avait pas l'objet, donc il nous disait vous ne pouvez pas le décrypter. Ou il fallait souder. Je sais plus. Décrypter ou souder. Mais je crois que c'était... Enfin, je crois que c'est souder, même. Plus la gueule que ça. Ouais, il fallait le souder. Ok. Allez, que la porte s'ouvre. Ok, donc la première fois qu'on rentre dans ce complexe. Un ascenseur en plus, c'est bon ça. Allez. Tayo, en espérant que l'ascenseur ne couille pas, ça va bien se passer. Ok. Déjà, chaque fois que tu montes dans un ascenseur, le truc il casse quoi. Ouais. Venez reprendre encore un raccourci dans la zone. Ça en vrai fou quoi. Ok ouais. Ok. Faut que je cours. Attends, je vais m'habiller en combinaison. Combiné. Je porte comment? Comment? Attendez. Je crois qu'on a un problème. Je vais éviter de courir si vous comprenez ce que je veux dire. J'attends. Tu peux établir un contact radio? Je suis là. Et où le vaisseau, c'est ça? La vraie a installé le processeur d'amarrage, ok. Où c'est? Ok, c'est sur là-bas au fond, à gauche, à droite. Putain, on était venu deux fois ici. Ils adorent nous faire venir ici, hein. Je peux pas passer, là. Porte fermée. Bordel, attendez. Qu'est-ce que c'est ça? Je crois qu'on a un problème. Je crois que le salaud est rentré dans la zone. Ok. Ah, il a manqué un autre. Et là, les problèmes arrivent. Il y a deux fois qu'ils nous ont mis la ligne. Oh, rétablir le courant, comment ça? Putain, il faut rétablir le courant. Putain, bien évidemment. Ça doit être ça. Oh! Non! Fous le camp! Putain, fumier. Bon, juste les objets. Merci. Comment ça verrouiller? Non! C'est une blague. Oh bordel, ça nous sert à rien si. Il faut remettre le courant. Oh non! Faut se tirer pour y aller le rêve? Non, je crois pas. Attends, je réfléchis où on pourrait remettre le courant là. Faut regarder. Donc c'est pas là, ça doit être de l'autre côté. Il y a l'alien hein, qui est en train de se déplacer là-haut là. Il est tout proche, enfoiré.
sais pas où c'est. Je ne sais pas où c'est. C'était dans cette salle. Mais avant, c'était pas une salle de contrôle, ça, ici, avant? Je ne sais plus. Ça aurait été logique, ça aurait été ce terminal, quand même. C'est pas cet ordi, mais normalement si. Hein. Ben merde alors. C'est ça se trouve où ça? J'ai dû passer devant trois fois, j'ai pas dû le voir. L'année va finir par arriver, je vais tout gagner. Ouais, c'est dans l'ordi, je vois que ça moi. Ça, il faut que je mette. Allez, je vois que c'est que celle-là, hein, du coup. On va y aller. Un peu de recherche, ça fait pas de mal, hein. On va chercher. On va finir par tomber dessus. Hein. Enfin, le vaisseau est tout petit. Hein. Enfin, cette salle, en tout cas, est tout petit. Ah. Bah ouais, je voudrais bien. C'était un bug ou quoi là? Non, c'est pas un bug hein. Je ne sais pas. Là, ils disent que c'est en dessous là ça. On va revenir en arrière. Il n'y a rien dans cette salle, absolument rien. Oh non! Putain, mais j'aurais pas compris où c'est, il y a la ligne qui arrive, quoi. Et j'ai plus assez lance-flamme pour lui. Oh, je sais pas, les mecs, je sais pas où c'est, quoi. Où c'est ce compte d'électricité de merde. Où c'est? Je n'ai foutrement aucune idée. On n'a plus rien en lance-flamme, quoi.
Ça craint. Putain, mais non, quoi. Comme si c'est pas déjà assez la merde pour moi de trouver quand il n'y a pas l'alien. Oh putain, maintenant il m'a vu, quoi. Bon. Vous allez attendre 2 minutes, messieurs. Madame, plutôt. Je suis un peu en galère. Rien pour se cacher, quoi. Échec là, mais bon, ben s'il te plaît, redescends pas. Ok, ce qui est cassé la solution, je suis preneur parce que je n'ai aucune idée là. Ça me fait un peu chier là ce soir. Je ne sais pas où c'est. Ouais, ça me dit c'est là-bas, c'est l'ordinateur, hein. Ça vient de l'ordinateur. Hein. Moi je suis sûr que c'est dans l'ordinateur le bordel. Hein. Je suis sur l'ordinateur, je sais pas comment on fait pour le déverrouiller, mais il y a que ça, il y a que cette interaction avec l'ordinateur. Et lui, qu'est-ce que tu as dans toi là? T'as absolument rien, quoi. Ça doit venir de là. Hein. Là, tout est lié ici, quoi. Tout est lié à cette ordre de merde. C'est... Je sais pas. J'ai aucune verrouillée, quoi. Mais c'est l'électricité qu'il faut remettre en place. Donc c'est l'électricité, c'est la boîte à... Merde, là. C'est la petite boîte qu'il faut remettre. Je vais marcher comme ça, là. Il est prêt à descendre un petit moment, là. Initialiser la procédure de démarrage. Ça a l'air tout court, hein, mais il faut remettre l'électricité quoi pour le faire. Que j'aurais oublié un truc ou est-ce que le jeu a tout simplement bugué? Ça arrive des fois, le jeu, un truc bugué. Et quand je suis mort, bah après c'était débugué. Donc est-ce que c'est un truc bugué et que normalement il y a l'électricité? Parce que je vois absolument rien, j'ai fait le tour de la salle 3 fois. Il y a la ligne qui est venue qui aurait pas dû venir comme ça là. Putain, du coup je vois pas. Je vois pas d'où on met l'électricité là-dedans quoi. Surtout que je vois absolument rien. Peut-être ce bidule là-bas. Ça on l'a déjà vu quoi, c'est même pas ça. Bon, on va pas s'éterniser si je vois que ça prend trop de temps, je regarderai comment, qu'est-ce qu'il faut faire. Je peux pas m'éterniser sur ça. Si c'est vraiment un bug, je le saurai comme ça. Moi je veux pas exploser de mourir pour un gros problème. À mon avis, ça doit être un truc caché. Hein. Et je dis pas, je suis sûr que je suis passé devant au moins 400 fois quoi. Et j'ai pas vu. Regardez, dès que je vais rentrer, c'est ça qui va descendre. Porte fermée, on n'a pas d'interaction avec ça, ni ça. Attends, il faudra venir là pour foutre le camp dans l'espace. Et là, on avait récupéré la carte. Donc ici, y a rien. Ici, y a rien. C'est le terminal, ça, là.
Terminal personnel. Sauvegarde, la porte verrouillée. De la porte verrouillée, il y a un truc de maintenance, plateforme de maintenance. On va vraiment pas l'ouvrir. Ouais. Bon, on refait encore un tour de salle. Après, on retourne dans la salle que j'ai pas trouvé. J'aurai la solution parce qu'il faut faire dans cette grande salle. On fait encore un petit tour des familles. Parce que je vois vraiment, vraiment pas. Quoi. Vraiment pas. Je vérifie chaque partiel de mur. Là. Allez, encore un tour pour la forme. Ici on voit rien. J'aimerais bien le trouver de moi-même, mais putain, là j'avoue que là je suis un peu bloqué là. Je sais pas, peut-être en dessous il y a un truc à faire. C'est peut-être en dessous de l'ordinateur là-bas. Souvent, une fois c'était un truc en dessous, mais il s'est égaré au moment que j'ai fait ça en fait. Est-ce que ça a bugué? Ah! Ok, je crois qu'on a trouvé la solution. C'est bon, je crois qu'on a trouvé la solution. Bah, excusez-moi pour ceux qui regarderont sûrement la rediff et qui me verront passer par là 150 fois. Et que j'ai pas vu que c'était un souterrain de merde. Voilà, bah à mon avis c'est ça, tout simplement. Pour suivre les câbles bleus, mais attendez, je vais d'abord chercher le bonus. Ça c'est sûr, c'est une trappe, je voyais plus rien d'autre, quoi. C'est pour ça que je regarde bien correctement où on passait là. C'est ça, soit trappe, ou soit il y avait un truc dans le mur que j'ai pas capté. C'est toujours comme ça dans les jeux vidéo, faut savoir. C'est toujours comme ça. C'est qu'on passe tout le temps à côté de là où il faut aller. Et quand c'est la première fois qu'on y joue, ben on sait pas du tout où c'est. Et les gens qui savent, eux, ça les énerve. Ils sont là en mode putain, enculé, mais t'es passé devant trois fois, c'est pas vrai ça. Mais regarde un peu où tu vas, mon sang. Ah ah. Ok, on est revenu dans la salle. Non. Utiliser. Attends, mais tout à l'heure, on pouvait même pas l'utiliser, quoi. Maintenant on peut l'utiliser. C'est un troll ce jeu, je vous jure que c'est un troll. Tout est tiré de ça, on pouvait aller de tout partout là. C'est pas un troll ça. Sur quoi, ça s'ouvre que de l'intérieur? Ah, je te jure, et après dès que tu l'as ouvert une fois, tu le vois tout le temps. Après. Bon, c'est pas grave. Allez, on continue. Alors, te voilà, salopard. Rien que pour ça, je vais te faire mal, attention. Yeah. Voilà, j'espère que tu fermes. Ok. Maintenant, il va falloir retourner sur l'ordinateur. Mais ce qui est bien, c'est qu'on va passer directement par là. La laine, il va descendre. C'est obligé, hein. La hype. Ouais, bah voilà, normalement c'est... Attendez. C'est la porte. L'électricité, je crois qu'il n'y a plus rien à foutre en fait dans cette zone de merde. Ah mais non, mais je suis con, il faut maintenant activer le truc. Je sais pas, j'ai fait une fixation sur cet ordi depuis le début. Cet ordi me fascine. Mais si je suis con, c'est vrai qu'il faut aller activer le truc. Allez, on y va. Et ensuite il faut aller sûrement dans le sas. Et on fout le camp de là. Définitivement. Faut se dire ça. Là, tu vois comme je suis déterminé là. Je suis déterminé. Bien joué, Ripley. Maintenant utilise le terminal pour déployer les phases d'amarrage. Dommage. Ah, l'ordinateur. Tout est lié. Tout est lié. Et enfin, à mon avis, là, il va. Vite. Vite, utilitaire, faire utilitaire. Allez, on descend utilitaire. Gna gna gna. Bim. Les pinces d'amarrage sont embrayées. Ok, maintenant trouve la table pour
What? C'est où ça? Ah, il faut revenir en arrière. Est-ce que je cours? C'est quoi le délire là? Prendre notre temps, moi je vous le dis. Il y a une copie qui a disparu ou quoi là-bas? Bon, le lien c'est cool si il n'est plus là pour me casser les pieds. Attends, blic-blic. La priorité, les mecs. Ouais, ouais, mais ça c'est les jeux vidéo, mec, hein, le feu se propage pas, donc ça serait marrant. T'imagines, en fait, ce serait cool en fait. Mais pour nous, ce serait pas marrant, les joueurs. T'imagines, dépêchez-vous à trouver la zone où il faut aller avant que vous vous fassiez brûler, avant que vous vous fassiez buter par l'alien, ou que vous vous fassiez tuer par un robot, ou qu'il y a un humain qui passe dans le coin et qui vous met une balle dans la tête. Vous avez 4 secondes pour réagir. Bonne chance à vous. Oh merde. T'imagines un truc comme ça? Alors, la question maintenant, c'est... Putain, il faut aller où? C'est ça, quoi. Ah, mais merde, c'est de la voir. Ok. Bon, c'est pas grave, on est venu là pour faire une sauvegarde. La sauvegarde est hyper importante. C'est énorme, marcher à coupie, là. Ça prend trop de temps. En haut ou en bas? En bas, il y a l'air d'avoir du feu. On reste en haut. Ah ah, corde. Ah, un petit kit, tiens. Ça fait longtemps. On se refait un peu une panoplie, on a pas vu comme il était. Il nous rentre dedans, quoi, là, les nifrons. Faut qu'on se prépare à toute éventualité. Voilà. Allez, faut qu'on dégage. Je veux fuir. Fuir. Merde, il y a un truc à se planquer ici. Ce qui veut dire... Je vais dans la mer. On s'en tape. Audio, on s'en fout. Utilitaire. Ok. Let's go. Allez au sas. Ah. Ok, il faut revenir en arrière maintenant. Il faut retourner dans la salle où on était tout à l'heure avec les combis. Allez, let's go. Et on y va franco, je vous le dis, moi. Il peut se montrer, ce fils de pute. Je l'ai même pas vu la sauvegarde. Il peut se montrer maintenant. Et j'ai 150, même plus maintenant. Voilà, 200. On n'a pas peur de... Ouh! Il m'a surpris, l'enfoiré. Ok. Comme je t'ai dit, j'ai du gaz à revendre. Oh, le sas! Descends, fils de pute! Je vais te cramer la gueule! Oh! Oh, sac à merde! Tu peux venir maintenant! Non! Sac à merde!
Quel enculé, il m'a attendu en haut. Drone 2. J'ai pas dit mon dernier mot, sac à bite. Ok. Ça marche, Tiver, Chicho. Moi, je fuis. Viens, sac à bite. Ok, il m'attend en haut, le sac à merde. Putain, il me fait un détour. Quel enfoiré. Allez. Pourquoi je suis bloqué là? Allez, passe. What? Oh non, il y a un mur invisible, quoi. Ah voilà, ça y est. Tu crois que j'ai peur de toi, sac à merde? Je sais même pas où sont les fils, quoi. Mets la combi, on dégage! Allez! Yo, Volios, bienvenue à toi. Et ouais, ça va nickel. Parce que là, on dégage! Allez, mets ça. Et là, il y a l'une derrière. Oh merde. On est mort? On est mort? Oh non! Oh non! On n'est pas dans son nid! Que se passe-t-il, bon sang? On était si près du but! Je vois rien en plus. C'est normal? Oh. Mon dieu, j'étais sûr, dans le nid, quoi. Non, mon dieu, il y a un œuf par... Il y a un œuf qu'il faut cramer là. Oh non, je suis coincé. Oh, j'espère qu'il n'a pas eu le temps de te pondre. Bordel. Salut. T'as pas une arme sur toi? Ah oh, putain, il m'a emmené où là? Oh putain, l'œuf juste à droite là, regardez. Vous êtes d'accord avec moi sur les feuilles cramées. Hein. Oh l'enfoiré d'alien de merde. En plus, j'avais bien utilisé mon... Putain, il y a l'air d'avoir plein d'œufs ici. Putain, c'est bon, tant qu'ils sont pas à faire... On va dire, tant qu'ils sont ouverts, on a rien à craindre. Oh, putain, on est où, là? Partie du visson, on se trouve là. Putain, en plus, là, tu nous attendais, quoi. Non, mais je te jure. On nous retarde. Allez. Ok, j'ai cramé les deux. Oh, la porte s'est fermée. Ah, est-ce qu'ils sont passés par là? Ils essaient de me brainer dans tous les sens. Quoi. Faut que je fasse hyper gaffe aux œufs. Alors derrière, y'a quoi derrière? Y'a rien, on va voir derrière, voir. C'est un petit check là. Putain, il me dit qu'il y a plein de mouvements quoi. Sac à merde!
coup, foutre le camp là. Putain, il faut retourner dans la salle de combi, on n'a pas le choix quoi, il faut vraiment revenir. Et en plus on sait même pas combien de temps ça s'est écoulé depuis que je suis tombé inconscient quoi aussi. Oh, t'as le lance-flamme, tu sais quoi faire. Ah ah, mourez. On a des problèmes les enfants. On a les œufs, ce connard. Il va me faire une feinte, il va m'attaquer maintenant. Ok, nickel, tu montes. Plus que 56 hein. Mm-hmm. Oh, ça va être chaud, il faut tenir 56 jusqu'au bout. En plus, il y a des œufs quoi. Putain, le problème est colossal. En plus, on a. Ah. Ouh. Oh, j'entends une petite bestiole là. Ça va être les œufs qui sont en train de cuire, c'est pour ça, à mon avis. Ok. Allez, on avance. On y est presque. Faut se dire ça, quoi. On y est presque. Putain, déjà, on est plein dans la tas des années. Allez, on y va. En espérant pas rencontrer la mer. Ça va être un problème ça sinon. On a plein dans l'orni hein. À mon avis. J'ai peur hein, qu'on va tomber dessus. Je sais pas s'ils ont fait les putes de nous la mettre, mais. Ok. Alors on avance. On va y aller doucement. Hein. Oh putain. J'y arrive. Ah ouais, là t'as pas trop de choix, cocotte. Gauche ou droite? Droite. Ou droite ou devant ou comment ça se passe? Ok, là devant alors. Ensuite, à gauche. Ah les enculés, non, on se retape tout. Oh. Ah non, ça va, on a eu un point de contrôle. Oh ça va. Oh ils ont pas été salauds. Ok, bon je m'attendais à tomber sur des aliens, c'est pour ça que je suis arrivé en mode sneaky. En cours. Mais quelle conne, putain, mais saute dans le sang. Il fallait marcher sur le truc rouge. Allez, vas-y. Ça marche. Ouais. Est-ce que je peux empêcher? Est-ce que... Voyons voir. Je descends, ok. Ok. C'était chaud. Il suffisait de se baisser. Oh putain, la chatte que j'ai eue. Puis je me suis pas baissé, elle a fait d'elle-même. Hein. Oh là chaud. Ouais, c'était chaud, ouais. Alors, Noé, je connais pas la zone. Vite. On est où là? Le train il est pas passé en plus. C'est trop dangereux ici, bon sang. Mon dieu, mais les trains, c'est pire que des TGV, quoi. C'est trop d'ici, quoi, c'est la deuxième. J'entends une bestiole, là. Je connais pas la zone, quoi. Ne foutez pas des trains sur la gueule. Ok. On nous habitue trop à marcher trop doucement. Alors, d'un coup, on te dit, vas-y, cours. Tu perds un peu l'habitude, quoi. Alors qu'est-ce qu'on a là? Ok.
D'accord. Ok, on a ça là. Oh, ça mène où ça? Là, c'est la suite? Non, c'est pas la suite, je crois. Fermé. Allez. On y va. Oh merde. Est-ce que j'ai le temps de recharger ou comment ça se passe? Ok. 106. Là, j'ai presque pu le lancer là. Oh la galère. Heureusement que l'ensemble il fait un peu sa petite lumière. Ok. Ok, allez. Quoi? Grimpe, grimpe. Tu fais quoi là? Allez, allez, ça va tomber là. Mais que fous-tu? Faire quoi là? Ça va se fracasser. Faut grimper là. Toi, je touche rien à voir. Bah merde, pourquoi elle redescend toute seule? Je veux bien, mais tu grimpes quoi, je sais pas, tu te démerdes. Ça va se fracasser si tu m'amuses à le décoincer, ça. J'ai pas compris ce qu'il faut faire, là. Faut passer par là, peut-être. Plein d'aliens, ça me dit dans le coin, en plus. Ah, je prends trop de temps, ça va s'écrouler, quoi. Ah, oui, j'ai compris. Faut descendre. Je suis obligé là. Oh. Ah. Oh. Ah, je crois que tu as eu de la, un peu de la chatte là ce coup. Je sens. Vite, vite, ça va s'écouler. Berlin, t'es là. Où es-tu? Ah, c'est la salle. Vite. Sors des armes et pars en sortie extravéhiculaire jusqu'à la plateforme de maintenant. Il y a des verrous explosés sur le décrochage d'urgence. Dépêche-toi. C'est pas... Hein? Ok. Je laisserai pas tomber. Détache le Torrens. Putain, mais c'est où? Le sas, il est là. On peut pas. Allez. Se changer. Elle aurait quand même pu ramasser celle qui était au sol, quoi, quand même. Allez, mets-le, et vite, là. Hein. Hop, allez, prends pas ton temps. Alors, c'est ce qui s'est passé, et après, il y a eu de la bave. Ah ouais, mais l'acide, elle a dû niquer le casque. C'est vrai que leur acide de merde, ça nique le casque. Ok! Foutage de camp! Ouvrez la porte! On peut pas se défendre ici. Allez, faut qu'on se tire, là. Allez! Buggé. T'es qui sort buggé? Mon dieu, quoi. Ok. Où sont les explosifs? Je sais pas si Paul a entendu ça bien entière, quoi. Putain, en plus, elle peut même pas courir, quoi. Je te jure. Allez, on avance. Bordel.
à droite. Allez. Go. Sa misérable vie, je pense que ce sera. Il aura jamais monté autant de marches qu'aujourd'hui, quoi. Allez, vas-y, tu peux le faire. Oh, oh le salaud. Moi ce salopard. Attention, il y en a une derrière. Où il est? Ça va être un problème lui là-bas. Attends, je vois pas, je vois pas. Où c'est ton truc là? Attends, il y avait un truc là. Bah, c'est lui qui me perturbe derrière, regardez comme il m'attend là. Il attend qu'une chose, c'est que je fais un mauvais pas et je meurs. Verrouillé. Elle. Je vais me sauter dessus, lui. Je pense que c'est là. Ouais, c'est ça. Allez. Il me réserve une surprise, le con d'Alien, là. Salopard. Tu as de la chance que mon lance-flamme ne marche pas là. Sinon, je t'aurais cuit. Oh putain, il arrive. Vite. Vite. Ah, il est revenu là-bas, c'est bon. Meurs. Il faut passer par là. Et maintenant, il faut activer ça. Ah, il va me poser un problème, il va me sauter dessus. Allez. Et un. Et deux. C'est bon, le deuxième, là? Ah putain, qu'est-ce qu'il faut faire, là? Il faut revenir. Pourquoi la trappe elle fonctionne pas pour l'ouvrir? Ok, c'est ça. Ok, une carte. On aurait dû faire les deux en même temps, quoi. Comme ça, on profite du moment quand même. C'est pas tous les jours qu'on est dans l'espace. Et deux. Alors, mon salaud. Que veux ce que tu vas faire? Agno! Bitch! Ça, ok, blablabla. Allez! Et deux! Active-toi un peu plus là, t'as une alien qui va te bouffer quand même. Hein. Pas avoir pas de visu sur l'alien là. C'est pas, il pourrait me sauter dessus là tout le moment. Et de 3. Est-ce qu'il faudrait pas activer avant? Active tous et on fout le camp. Allez, tu peux le faire, replay. Allez, on active. Allez, hasta luego. Slow. Il nous sent fort, il est plus là-bas. Il est là. Oh, vite. Oh merde. Dieu. Oh fuck. Ah.
Hasta luego, bitch! Bitch! Et moi, qu'est-ce que je suis devenu du coup? Putain, je suis pas mort. Je sais pas qui m'ont récupéré quand même. Mon dieu quoi. Heureusement que les aliens ils... Oh, je suis là. Verlaine, je suis en chemin vers le pont. Ok, elle a eu le temps de rentrer, c'est nickel. J'arrive. Ah, oh, normalement ici on est tranquille maintenant. On est dans le vaisseau qu'il faut. Ah, mon vaisseau. Attends, y'a pas moyen d'enlever la combi, là? Attendez, je reviens dans la salle, y'a sûrement moyen d'enlever la combi, là. Ah, oh, putain, ça fait plaisir. Enfin, une zone où on était tranquille depuis le début, quoi. Ils ont quand même failli nous avoir, ces enfoirés. Là, c'était le... C'est où Samuel travaillait. Ok, c'est là. Allez, je vais enlever ma combi, là. Le moyen. Verlaine. Ça se laisse pour partir. Mais attends, je peux pas l'enlever ma combi là. Bon. Oh. Oh. Non, il nous a eu. Non. Mon dieu, ma surprise, t'es enfoiré. J'ai même pas eu le temps de voir la touche. Putain de sa mère. Oh l'enfoiré. Verlaine, tu es en chemin vers le pont. Oh, moi qui croyais être tranquille. Oh merde. Putain, il m'a surpris, j'ai même lâché les commandes. Salopard, bah. Vas-y, reviens ici, fils de pute. Verlaine, ils sont tous morts, tu sais. Verlaine. Ils sont... Oh, putain, ils sont tous morts. Oh, ils sont tous fait bouffer, con. Je suis le seul survivant, quoi. Ok, c'est... Oh putain, ça a quitté... Oh, bordel. Oh, dans le sas avec moi, sac à merde. On va partir ensemble. Ah merde! Mais merde, je comprends rien. Gauche, droite et redroite. Ok. C'est des choses qui arrivent. Ah, il devrait simplement marquer droite, gauche, au lieu de me marquer déplacement du côté droit. Déplacement du côté gauche. C'est perturbant, le temps que je voyais, le temps que je lis la phrase, c'est mort quoi. Pas le temps de réagir là. Et on connaît bien l'alien, hein. Suffit que tu cliques pas au moment qu'il te le dit, il te bouffe le truc. La forêt, il finit toujours pas me tuer là. Ok, donc. Toujours en arrière, gauche, droite. Je vais toujours lire à droite, je pense. S'ils regardez à droite, regardez à gauche. Bah... Verlaine. Allez, Verlaine, sont tous morts, c'est bon, on va te le rappeler. Ok, recule. Round 3. On recule, maintenant je sais ce que c'est les touches. Pour arriver contre nous. Ok, déplacement gauche normalement. Gauche. Droite. Droite. Bitch. Hasta luego. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis mort. Oh putain, on s'est éjecté dans le stade. Oh putain. Moi qui pensais être libre. Voilà.
Si j'aurais fini comme ça, personnellement, je pense que je l'aurais fait depuis le début. Oh putain, mais y'a tout le monde qui est mort, quoi. Et là, tu le vois arriver en mode « Hello ?» Ah ah, y'a un vaisseau. Intéressant. Ah non, je voulais savoir la fin. Oh. Bon ben voilà, ce qui conclut notre le jeu quoi. Ah bordel. Trop tentatives pour y arriver, mais bon c'est pas très grave, on y arrive quand même. Mais putain, on s'est fait lancer dans le sas, on est perdu. Et après bon, il y a un vaisseau quand même qui est venu nous chercher. Quoi. Merde. En tout cas, dans le vaisseau, tout le monde est mort. Enfin. Oh, le salopard, mais comment il est rentré là, lui? Oh, ça a fait comme avec... Bon. Ok. Bon, bah, j'espère que vous aurez aimé ce playthrough. En tout cas, moi, ça va, il était hyper kiffant, hyper stressant, angoissant à mort. Bah, j'ai super kiffé à mort. Et vivement à une suite, quoi. Savoir qu'est-ce qui va se passer avec elle. Bon, je pense que c'est fini, là. Je pense qu'il n'y a plus de suite. C'est bon, quoi. Elle a assez souffert, la pauvre. Mais peut-être ils peuvent inventer un autre truc à la recherche de sa mère. Maintenant qu'elle sait où elle est, quoi. Enfin, où elle le dérive. Bon, ben voilà. Est-ce qu'on peut passer ce crédit, voir? Ouais, on peut passer ce crédit. On va profiter pour regarder les bonus, tout ce qu'on n'a pas pu regarder jusqu'à présent, genre tout ce qui est... On va voir ce qu'il y avait. Bonus. Ah, il n'y a que le crédit. Il n'y avait pas le bonus là où on pouvait voir... Ça devait se passer directement dans la game, je pense, pour aller voir ça. Bon, c'est pas grave. On s'en fout, c'était que des paplodes et des... Bon, on s'en fout, c'était pas très important, je pense. Ok. Alors, c'est quoi ensuite? L'équipage peut être sacrifié. Jouer au contenu déjà, l'équipage peut être sacrifié. Donc, DLC. Jouer au contenu dernière survivante. Ok. Et mode survie. Clairement, le mode survie il m'intéresse pas trop. Je pense qu'on a assez survécu pendant tout ce playthrough. Ok, donc deux DLC au final. Deux DLC et un mode survie. Ok. Je sais pas vous. Est-ce que vous êtes motivé pour voir un DLC tout de suite? Ou est-ce qu'on arrête ici et on prendra un playthrough la prochaine fois et on fera le DLC 4 heures? Vous voulez quoi? Dites-moi. Je ferai ce que vous me demandez. Là, j'ai un peu de temps pour continuer, voir ce que c'est. Mais pour ça, il va falloir juste que je mette fin au live pour conclure l'épisode 4, 5, de Alien Isolation. Et relancer un live pour le DLC. Dites-moi. Dites-moi ce que vous voulez. Oh, comment j'en ai bavé. Bavé, mon Dieu. Oh là, ça a été difficile de sortir de Sébastopol. Hein, là. Oh là là. Ah, c'est enfoiré, les aliens, quoi. Ils me lâchaient plus, quoi, les pauvres petites bestioles. Dites-moi. En tout cas, s'il y a personne qui répond dans les commentaires, je vais devoir mettre fin au live. Je suis désolé, les enfants, mais il faudra qu'il y ait des motivés dans le live pour que je puisse continuer. Voilà. Je veux quand même qu'il y ait du people qui suivent, parce que sinon, c'est pas intéressant. Manifestez-vous. Alors, vous êtes combien? Vous êtes 5. Ok. Bon, parmi vous, les viewers, qui sont encore actuellement sur le live, donc normalement deux personnes qui ont un compte, trois autres qui n'en ont pas. Ok, je vous laisse, même si vous êtes dans la catégorie des joueurs qui ne parlent pas, des viewers qui ne parlent pas, je vais vous demander est-ce que vous voulez Jedi, voilà, je vais t'appeler simplement comme ça sous le temps, et System 11, voilà. Dites-moi ce que vous voulez et je ferai en sorte ce que vous me demandez. Si vous ne me dites rien, je mettrai fin à la live. Je vous laisse 5 minutes, même pas, je vous laisse 2 minutes.
Ça, on va pas tourner en rond ici. Hop. Là, on a un peu les bonus, moi. Il y a que les crédits, c'est déconné quand même. C'est un peu déconné qu'il y a que les crédits en bonus. Ouais. Hop. Putain, ok, c'est quoi ça? Pareil, c'est un DLC, mode survie. Ah ok, il faut faire le jeu pour faire le mode survie. Le mode survie, on le fera vraiment au final, quand on aura fini tous les DLC. Je vais m'amuser à faire un petit survie juste pour voir ce que ça vaut. Et après, on arrêtera là. Moi, je trouverai l'équipage. On va commencer par lui, ensuite on fera la dernière survivante. Et voilà quoi. Bon, bah les mecs, je vais mettre fin au live du coup. Je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. On se retrouvera sûrement demain, si j'ai rien à faire. Même heure. 15h quoi, ça change pas. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé ce playthrough. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Mardi ou autre, je sais pas quand je tournerai, vous verrez de toute manière. De toute façon, les rédits sont toujours là, vous pourrez voir à l'infini vu qu'ils seront en temps fort sauvegardés. Donc voilà, donc j'espère que vous aurez kiffé énormément la campagne principale d'Alien Isolation. Moi j'ai kiffé à mort et vivement une suite ou un truc encore avec la petite Ripley à la recherche de peut-être de sa mère. C'était pas mal. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. C'était Damigo. Peace.